Bonjour vous autres, ici Smoke Dan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer un poulet sur tournebroche. C'est quand même très simple. Il s'agit d'avoir l'équipement et tout. Moi, je le fais avec mon upgrade sur mon Master Touch de Weber. Fait que je vais vous montrer ça. Restez branchés. Yes, sir! Vous êtes présentement sur la chaîne des amateurs de barbecue, la meilleure place pour avoir des cuissons de barbecue ainsi que de plancha. Vous êtes nouveau ici, ben je vais vous demander de vous abonner. Je vais vous présenter des nouvelles vidéos chaque semaine, des cuissons, des recettes, des trucs, des astuces ainsi que des reviews. Bon, fait que là, on va partir le barbecue. Je vais faire ça sur mon Weber Kettle Master. Oh, Master Touch. La semaine. Fait que là, je vais faire un bon poulet barbecue sur tournebroche. Fait que là, je suis en train d'allumer ma cheminée. Pas ça, je vais en mettre dedans. La chaleur va monter. Je vais rajouter de quoi. Je vais vous montrer ça. Ça sera pas bien long. Fait que j'ai rajouté. C'est le upgrade de barbecue de la bonté que j'ai ajouté. Fait que ça fait une rôtissoire. Ça se rajoute à ton Master Touch. Ça fait une rôtissoire. Ça fait un fumoir. Puis ici, là, j'ai ma porte là, que je pourrais démancher pour faire mon four à pizza. Puis dans le centre, on peut rajouter un autre grille. Fait que quand je veux faire un fumoir, là, ça me fait trois grilles dans le fond. Fait que c'est vraiment super bien. Là, je le laisse monter un petit peu en chaleur. Et voilà, c'est parti. Fait que je chauffe à 350-400. On va avoir un heure et quart, une heure et demie. Jusqu'à temps qu'on ait une température interne de 180. Je vous montre la suite. Attends-tu. Fait que là, j'ai parti mon barbecue, j'ai mis ça à 350-400. J'ai embroché deux poulets, puis on va laisser aller ça. Il faut aller jusqu'à une température de minimum 180 degrés pour être sûr que la viande tout est correcte et qu'il n'y ait pas de problème au niveau alimentaire. Fait que je vais vous montrer la suite. Je vais montrer le début. Maintenant, on va vous montrer quand ça va avancer. Ça fait 1h20 que ça cuit. On va aller voir la température, qu'elle est perdue. Okay, on va aller voir en premier temps ici. On va le mettre à on. Ben, vous voyez ce que ça a l'air. Ça a l'air bon. Ça, c'est sûr.